Vous êtes un danseur intermédiaire, vous êtes une danseuse avancée, vous êtes confirmé. Malgré cela, malgré votre savoir-faire et vos années d'études, il y a des erreurs que vous pouvez faire qui vous guettent. J'en ai reconnu trois grandes, trois importantes. Les voici. La première des erreurs, ce serait de marquer en arrière. Ne marquez pas en arrière. Ça semble bizarre, n'est-ce pas? La salsa cubaine se danse en rond. On marque sur place ou en avant. Elle a été influencée par la rueda de casino, avec les changements de partenaires pour aller d'un point A à un point B, pour arriver à notre objectif danseur suivant ou danseuse suivante, ou précédente, peu importe dans quel sens va la rueda. Il faut évidemment pas reculer, il ne s'agit pas de reculer pour mieux sauter, il faut aller en avant. La faute nous incombe à nous autres professeurs, dont moi, qui avons, par une certaine facilité, on va dire, enseigné de manière peu adéquate. Qu'est-ce que c'est marquer en avant? Je suis la danseuse, on va dire, par exemple, danseuse. 1, 2, 3, 5, 6, 7, non. 1 sur place, voire 1, 2, 3, changement de poids du corps, déplacement du poids du corps vers l'autre jambe, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7, danseur, 1, 2, 3, et 5, 6, 7. C'est surtout important pour les danseuses. Prenons la figure en chouf là. Voilà, danseuse, wapé. 1, 2, 3, 5, 6, et touffe là. Je dois aller là et là. Si je vais en arrière, je perds du temps. 1, 2, 3, je dois aller là. Normal, comme dans la vie, la ville. 5, 6, 7. C'est très important de garder cela en tête. Il y a un de ces mèmes qui sont célèbres, l'acteur du film Taken, Liam Neeson, je crois. Et vous savez ce moment où il est au téléphone, où il dit « Si tu ne me rends pas ma fille » ou je ne sais pas comment il le dit, « Je te chercherai, je te trouverai, je te tuerai. » Il y en a un dans le monde du casino. C'est « Danseur de casino, casinero. » Si tu continues à marquer en arrière, « Je te chercherai, je te trouverai et je vous tuerai. » La deuxième erreur, prendre trop de place. À Cuba, il y a plusieurs chansons qui, d'une manière ou d'une autre, disent ceci. Il ou elle danse sur une dalle. Sur une dalle. C'est dit d'un ton admiratif et c'est censé illustrer un danseur, une danseuse d'excellence. Danser petit n'est pas seulement un signe de respect par rapport aux autres couples, mais c'est aussi une manière de pouvoir faire à bon escient des isolations, pouvoir interpréter la musique en étant plus rassemblé, en étant gainé, presque compact. Si vous vous éparpillez corporellement, cela fait désordonner. Vous dansez ici, ah, vous voyez, compact, gainé. Et en même temps, pour revenir à la notion de respect, si vous êtes dans une soirée avec plein de gens, que vous prenez trop de place, ça peut mal finir. Après le dile que no, dile que no, homme. Cette figure, pour l'appeler ainsi, touche la main, s'appelle guapea. Guapea vient de guapo. En Espagne, ça veut dire beau, beau comme moi. Chez nous, ça veut dire courageux, mais dans le sens un peu homme courageux, homme du milieu. Combien de rixes il y a eu pour des problèmes sur la piste des danses liés peut-être aussi à une trop grande expansion corporelle. Alors dansez petit. La dernière des erreurs que j'ai identifiées pour vous, fuir les chansons lentes. Ça, c'est une erreur et une sacrée erreur. Les chansons lentes sont difficiles. Étonnamment, on pourrait croire que plus c'est rapide, plus c'est dur. La lenteur est difficile parce que la lenteur dévoile aussi l'erreur. Alors, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est inconscient? Souvent, les
danseurs, même les bons danseurs, même vous, excellents danseurs, ne veulent pas danser les chansons lentes ou les sons très longs. Parce qu'il faut pouvoir dominer son corps ou voir dominer la musique, pour le dire d'une certaine manière, l'illustrer différemment. La lenteur, c'est aussi un problème de société. Aujourd'hui, tout va très vite. Et il y a l'image d'Épinal, la salsa, deux palmiers, et on est là pour la joie, on est là aussi pour l'élégance. Et si la chanson est lente et que le chanteur est en train de pleurer son amour perdu, dansez lentement, c'est-à-dire, n'ayez pas peur, messieurs par exemple, de jouir de cette lenteur. 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3, 5, 6, 7, mesdames, 1, 2, 3, 5, 6, 7, et 1, 2, 3. Lisez le livre de Milan Kundera, La lenteur. Déjà, vous découvrirez ou vous redécouvrirez un grand écrivain. Et allez danser le son. Pa, 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 pa. Soyez lent, soyez beau, soyez vous. Et pour plus d'astuces, pour plus de conseils, pour plus d'expérience, pour plus de vécu, suivez-moi sur lemondeislamique.fr.